Aujourd'hui, nous sommes sur le terrain de l'ancienne décharge de la commune de Faverges pour un projet de reconversion de cette décharge en une centrale solaire photovoltaïque d'une puissance de 2,5 mégas. En termes de production d'électricité, cette centrale de 2,5 mégas va permettre la production de 2750 mégawattheures par an. C'est l'équivalent de la consommation électrique de 556 foyers et ça permet d'économiser 250 tonnes de CO2 par an. C'est l'équivalent de 7600 allers-retours en voiture entre Paris et Faverges, par exemple. Il s'agit de panneaux solaires bifaciaux. Ce sont des panneaux solaires qui permettent de récupérer l'énergie solaire sur la face arrière, en plus de la face avant. Et donc c'est une innovation qu'on teste ici pour une des premières en France sur la centrale de Faverges. L'autre caractéristique, c'est la boucle locale. Donc c'est une première en France, c'est une partie de la centrale qui va générer de l'électricité, qui va être produite localement et consommée localement.